I'm now joined by the Minister of Industry for the Democratic Republic of Congo. Mr. Minister, you've just made a big announcement today. Tell me what it is. Oui, j'ai fait une annonce importante ce jour. C'est un grand jour pour l'Afrique. C'était pour dire que depuis que le monde est autour de la grande question de la transition énergétique, on se pose des questions de d'où viendra la solution. Mm-hmm. Et je suis donc venu faire cette annonce pour dire que depuis 2021, la RDC a piloté une initiative de la construction d'une chaîne de valeur autour de l'industrie des batteries électriques. Parce que notre pays possède tous les minéraux qui entrent dans les composantes qui produisent les précurseurs des batteries, les batteries électriques et les véhicules électriques. Il s'agit du lithium, il s'agit du cobalt, il s'agit du manganèse, il s'agit du nickel. Et nous avons près de 70% des réserves mondiales du cobalt. Ce qui fait que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Et donc, je suis venu annoncer à la face de tous les capitaines d'industrie et de tous les investisseurs que désormais, la meilleure destination d'investissement au monde aujourd'hui s'appelle la République démocratique du Congo. Et les deux leaders qui sont en train de prendre cette initiative, c'est la RDC et la Zambie qui ont signé des accords de coopération pour constituer les maillons importants de cette chaîne de valeur de manière à attirer suffisamment d'autres de se joindre à eux pour que l'Afrique cesse d'être le continent des malédictions, mais un continent qui, désormais, est un continent qui apporte la solution à la problématique mondiale des réchauffements climatiques. Absolutely, and I love this because this is an example of renewable energy, but also instead of Africa just exporting raw materials, like you said, this is a finished product. So this is really setting a precedent for other African nations to follow suit. Oui, exactement. Ça fait 60 ans que la plupart des pays africains sont indépendants. Mais lorsque vous regardez la courbe de développement, elle est décroissante. C'est-à-dire, au lieu de nous comporter comme les États-Unis ou comme les pays européens, le développement de l'Afrique va en chutant au jour le jour. Et donc, voilà pourquoi la RDC et la Zambie se sont décidés pour dire, mais non, nous devons refuser d'être cette Afrique qui fait la honte. On doit refuser d'être cette Afrique qui est pauvre, mais on doit plutôt désormais montrer l'image d'une Afrique qui peut partager la prospérité. L'Europe, l'Amérique et tous les continents sont venus puiser les matières premières, mais sans leur donner une valeur ajoutée. Mais l'initiative que la RDC et la Zambie veulent construire, c'est de redonner de la valeur ajoutée à nos matières pour capter suffisamment de richesses, pour créer suffisamment d'emplois, pour permettre finalement aux Africains de pouvoir goûter de la beauté, des richesses qu'ils regorgent. Parce que nous sommes des pays qu'on appelle scandales géologiques, mais en même temps, nous sommes scandaleusement pauvres. C'est donc cette contradiction que nous voulons relever pour qu'au scandale géologique s'ajoute le scandale de la richesse et la prospérité du peuple. That sounds fantastic, and I agree. But in practice, you've made this announcement. Now, what are you going to do to make sure that the benefits of the product you're creating reach the poorest people in society? Oui, nous avons, avec les partenaires qui sont l'Afrexim Bank, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et d'autres partenaires financiers, lancé une étude de préfaisabilité qui nous démontre effectivement que nous sommes la vraie destination avec des indicateurs qui vont faire en sorte que nous puissions créer suffisamment de richesses. Le projet, l'étude qu'on vient de présenter tout à l'heure, démontre que ce projet va créer entre 15 000 et 25 000 emplois directs, ce qui donne une déclinaison située entre 60 000 et 100 000 emplois indirects. Donc vous comprenez le boom que ça va provoquer un seul projet. Et donc si nous avons 3, 4, 5 projets comme celui-ci, avec 100 000 emplois indirects, ça va vous faire 500 000 emplois dans un horizon de 10 ans. Et donc, petit à petit, l'Afrique peut commencer à parler un autre langage que celui du chômage, que celui de la pauvreté. That sounds great. So I look forward to, this is a fantastic announcement. So I look forward to speaking to you next year at Gabi to hear how this is going, but also to hear what next announcement you may have. Oui, la prochaine étape, ça sera finalement de dire, eh bien, voici les éléments convaincants qui attirent les investissements. Maintenant, c'est l'appel à investissement que nous allons faire.
parce que tous les indicateurs seront déjà déterminés par l'étude de faisabilité. Et maintenant, il appartiendra à chacun de choisir son segment. Moi, je suis dans le segment de l'énergie. Moi, segment infrastructure routière. Moi, segment infrastructure portuaire. Moi, segment développement des zones économiques spéciales. Moi, segment transformation. Moi, segment extraction. Donc, l'étude va permettre maintenant à chacun de choisir le segment qu'il va développer selon sa spécificité. Et l'élément important que les pays africains, notamment la RDC, mettent sur la table, c'est le transfert de technologies. C'est-à-dire, nous avons ouvert une école qui est un centre africain qui va permettre de former les Africains et les Congolais sur cette question de l'industrie des batteries électriques pour qu'à l'horizon de 10 ans ou de 15 ans, nous nous rassurions que tous les Africains ont reçu le transfert de technologies et qu'ils commencent eux-mêmes à prendre en charge les projets. Donc c'est une vaste ambition qui étonne le monde parce que c'est rarement que les Africains embrassent des grands projets. On a toujours cru que les Africains sont là pour des petits projets de 10 millions de dollars. Mm-hmm. Mais voilà que nous sommes là pour des projets de 7 000 milliards de dollars. Mm-hmm. Ça fait 7 trillions US dollars. Wow. Donc c'est quand même un gigantesque projet qui appelle que et Américains, et Européens, et tous les autres, nous puissions être autour de la RDC, de la Zambie, pour dire, nous pouvons faire décoller le monde en lutte contre le réchauffement climatique, à partir d'un pays qui, hier, était considéré comme un pays de guerre, un pays de non-paix, un pays de corruption. Mais désormais, on va renverser la tendance pour que nous changions de paradigme et de gestion et d'appellation pour que nous conçions plutôt un pays solution, comme ne cesse de le dire le président Félix-Antoine Tshisekedi. Pour lui, nous sommes désormais les pays solutions pour les problèmes de changement climatique. It is a vast ambition, but I look forward to seeing you implement it, and I'm excited, so thank you. Thank you very much.